Qu'est-ce qu'une algue? C'est un truc brun verdâtre, ou vert, ou rouge, qui reste sur les rochers à marée basse. Ça glisse quand on marche dessus et puis ça paraît pas très propre. Pour être plus sérieux, c'est un végétal chlorophyllien au même titre qu'une plante terrestre, mais il vit en milieu aquatique ou humide. Il n'a pas de racines, mais un crampon. Il n'a pas de tige, mais un stipe. Il n'a pas de feuilles, mais des frondes ou des lames. Il n'a pas de fleurs, mais pour certains, des vésicules. Le tout forme le thal. 40 000 espèces ont été répertoriées sur la planète, dont 1500 en Bretagne. Parmi ces espèces, nous distinguerons principalement les algues vertes, rouges et brunes, qui ont chacune leur particularité. En effet, championnes de la photosynthèse, leur couleur dépendra de leur capacité à capter la lumière. Les algues vertes assurent la vie de nombreux animaux et sont favorables à la planète en oxygénant les océans. Les algues brunes sont les plus abondantes dans les mers tempérées et froides et peuvent atteindre de grandes tailles. Les algues rouges se situent plutôt dans les eaux profondes. Celles qui nous seront accessibles se situent sur l'estran. On dit que l'estran est la zone de balancement des marées, c'est-à-dire située entre la basse mer et la pleine mer. Autrement dit, c'est cette surface qui fait la transition entre la terre et la mer. Les espèces que l'on pourra y trouver seront différentes suivant l'étagement sur l'estran. Par exemple, en pleine mer de Vivesau, pleine mer de Morteau, à mi-marée, en basse mer de Morteau, en basse mer de Vivesau. Les algues étant des végétaux pratiquant la photosynthèse comme les plantes terrestres, elles fixent le gaz carbonique, le CO2, et produisent de l'oxygène. On leur attribue 50 à 70% de l'oxygène produit. Leur rôle est donc primordial pour la vie sur notre planète. Sur nos côtes, au niveau des macro-algues que l'on peut y trouver, aucune algue n'est toxique, y compris la célèbre algue verte qui fait partie des algues comestibles. Parmi les 1500 espèces que l'on peut trouver en Bretagne, une trentaine peuvent être considérées alimentaires et intéressantes à connaître. Quelques exemples. L'algue verte dont on vient de parler, appelée aussi laitue de mer. Bien sûr, il faut la ramasser fraîche et non quand elle s'est dégradée, produisant un gaz toxique comme tout autre végétal se putréfiant. Consommées en Irlande et en Extrême-Orient depuis très longtemps, elles sont particulièrement riches en magnésium, en fer et en vitamine B12. Elles apportent également des protéines. Elles sont meilleures séchées et émiettées que cuites ou fraîches. On les utilise principalement en condiments, en persillade. Elles rentrent par exemple dans la composition d'un tartare d'algues ou de pesto marin. La Laurentia pinnatifida, ou poivre de mer. Elle a un goût poivré d'huître. On peut l'utiliser cru, découpé en petits morceaux, étalé sur des toasts grillés, servi à l'apéritif. C'est délicieux. La Palmaria palmata, ou dulce. Elle apporte des oméga-3, des vitamines A, B12, C, du potassium, des protéines. C'est un antibiotique naturel. Très utilisé en cuisine, on peut la consommer crue, découpée en lanières dans des crudités, cuite avec du poisson, des pâtes, des œufs et de bien d'autres façons. La porphyra ou nori. Elle est très riche en protéines, apporte des vitamines A, B12 et des oméga-3,
Crue, elle n'a pas de saveur particulière. Par contre, séchée, elle a de nombreux arômes fumés. Cuite légèrement à la poêle, elle s'associe très bien avec des champignons. Elle est utilisée également dans les sushis, notamment dans les makis sushis. L'Imantalia elongata, ou haricot de mer. C'est une source de magnésium quand il est frais, apporte des vitamines C, du calcium, de l'iode, du potassium. Est utilisé en légumes, salade composée, confit avec du chocolat, en rillettes avec des maquereaux. Les Gracilaria ou Ogonori. Elles possèdent des molécules gélifiantes, les agars. Crues, les gracilaires ont un fort goût iodé. Les mélanger avec parcimonie à des salades, couper en petits morceaux ou pour faire des toasts. Les cuire si l'on veut faire évaporer l'iode. Le Chondrus crispus est utilisé essentiellement en gélification ou en épaississant après l'avoir fait sécher pour qu'il perde son goût iodé. Son nom de code est E407 en agroalimentaire. Les fucus. Certains sont utilisables en cuisine comme le fucus serratus. Les extrémités ont un goût proche du cornichon avec ce parfum caractéristique d'iode en plus. Les fucus serratus apportent des fibres, des protéines, du calcium, du fer, de l'iode et des vitamines B8 utiles pour la peau, les cheveux, le système nerveux. Ils peuvent entrer dans la composition d'une salade marine avec du fucus serratus, des pommes de terre, des tomates, des haricots de mer, de l'échalote, du thon, de l'huile et du vinaigre. On mange des algues sans le savoir. Elles sont très utilisées dans le secteur agroalimentaire. On les trouvera sous leur nom de code E401 à E407 ou très souvent nommées carragénanes, algues, alginates, agar. Utilisé en pharmacie ou parapharmacie dans certains produits. En agriculture, pour fertiliser les terres par l'utilisation des algues rejetées par la mer que l'on appelle couramment du varech. En élevage, par l'utilisation de farines d'algues riches en minéraux. C'est un antibiotique naturel, améliore le transit et la résistance aux infections et parasites. Améliore la production du lait et du taux de crème. Des algues vertes sont données aux poules, fortifient les coquilles et renforcent la couleur du jaune. Les algues pourront également contribuer à la diminution du CO2 en les recyclant pour créer du pétrole végétal. Des expérimentations sont actuellement en cours en Espagne.